pour ce nouveau vlog. Je suis avec Horace et Duc. Aujourd'hui direction Espagne, plus précisément à Malaga pour tourner un petit clip de rap. On va rester là-bas à peu près 3-4 jours, donc voilà, je vais vous amener avec moi pendant ce petit séjour à Malaga. Bon vlog. Direction Malaga avec les potos. Une fois votre bagage rangé en toute sécurité, veuillez vous asseoir à votre place. Hey, see the coco gave me that camera, man. I'm so excited. You're about to leave to Malaga right now. When so? When the hell finna been so quenny? When so, man? Nigga, what the fuck are you talking about, man? This nigga don't even know how to speak English, man. All messages before we ask that you switch on the flight site. On est bien arrivé en Espagne, le vol s'est bien passé, un peu fatigué, mais bon. À présent, faut qu'on mange, là, faut qu'on survive. Et en même temps qu'on mange, on va chercher un hôtel parce que, comme des gros cons, on n'a pas cherché d'hôtel. Faut l'assumer, quoi. C'est à cause de qui, ça? C'est à cause de cet homme-là. N'importe quoi, c'est pas de ma faute. Tu étais censé chercher les hôtels. Et précise, j'ai tout. Non, frère, tout. Fred, ouais, j'ai un clip à pied, faut pas que j'ai les cicatrices, putain. Va doucement par contre, fais pas le... Pequeña merda. Merde. Oh. Ouais. Hey, you gotta shoot a ball, you gotta learn, nigga. Yeah. Wow. Ça y est les gars, on a trouvé l'hôtel. Du coup on va s'y rendre. C'est un hôtel qui est pas trop loin de la plage, donc c'est parfait. Malaga. En tout cas on a de la chance, il fait super beau, hein. Du coup je pense qu'on va arriver à l'hôtel, on va un peu se reposer une heure ou deux, parce que la plupart d'entre nous n'ont même pas eu le temps de dormir. Et après qu'on s'est reposé, ben, on va aller un peu à la playa. Vamos a la playa. Les bâtards, ils se barrent sans moi. Les bâtards. Wesh, il va où, Snarvalo? Wesh. Oh, t'as cassé mon délire, mec. Wesh le coach. Right away, man. Ain't no time to wait. Right now, you gotta play the football, man. Numero 20. You gotta score for me. A goal. Je suis obligé, mec. Je suis obligé. Le truc il est tombé, mec. C'est pas notre voiture. Ah ouais, mec. Attends, jette-le par terre. Jette ça. Vas-y, ramasse, Narvalo. Bon, en gros, les gars, je vous explique la situation. Une situation très marrante. J'avais posé ma glace là. Et en fait, quand il a accéléré, la glace est venue sur sa tête, quoi. Du coup, là, ils ont demandé. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Ils ont demandé de l'eau pour se nettoyer, etc. Et. Situation très marrante. Assez désagréable pour eux sur le moment, mais je pense quand ils vont revoir les scènes plus tard, ils vont beaucoup rigoler. Oh les gars, putain là ça. Ah wesh mon frère, tu fais que je filme comment dans cet état, mec? Eh les gars, je peux pas monter les gars. Tu sais qu'ils se demandent ce qu'on faisait en fait là, on allait repérer quelques endroits, quelques spots pour le tournage de demain. Bon, à présent je pense qu'on va aller tranquillement se reposer à l'hôtel. Et voilà quoi.
yo yo yo. Attendez, je vérifie quand même. Ok, y'a personne. Alors les gars, c'est très simple. Je suis monté tout en haut au dernier étage de l'hôtel et je vais voir à présent en direct si je peux accéder au toit. Et bien sûr, regardez le soleil qui se lève. Non, ça marche pas, putain de merde. Ça fait flipper. Oh. Mais non. Trop stylé. Regardez-moi ce lever de soleil. Putain, la vue. En plus, on a une vue sur toutes les montagnes et tout, c'est magnifique. C'est trop stylé. On voit la montagne et tout. Je fais quand même très attention que les gens me voient pas, parce que s'il y a une voiture qui passe ou un passant qui voit un mec en train de monter sur le toit entre la vie et la mort, c'est sûr qu'il va appeler sur la police parce qu'il va penser qu'il va se suicider ou qu'il va appeler l'hôtel pour prévenir. C'est incroyable quoi. Je me retrouve comme ça sur un toit en Espagne à regarder un magnifique lever de soleil, c'est juste incroyable. Parfois faut vraiment être le plus lucide possible et constater ce que t'es en train de faire. Sincèrement là je pense que c'est le moment de le dire, PBDP. Pas besoin de plus. Regardez, juste regardez les gars, là je vous parle mais vous voyez pas ce que je contemple. Je contemple ça. En plus d'ailleurs en ce moment je regarde beaucoup de vidéos de youtubeurs de parcours sur Paris etc. Et ils ont une vie plutôt stylée hein. Je les vois des fois, ils déploient leur hamac sur le toit, ils dorment avec tranquillement, ils demandent pas plus. À chaque fois qu'ils montent sur un toit, c'est une vue différente, c'est une aventure différente, donc sincèrement, je les envie sur ce point-là, c'est très stylé. Bon, je vais essayer de l'explorer l'autre côté là-bas, c'est parti. Ok, je vais vous montrer le délire. En fait, j'aimerais bien accéder à cette partie-là. Je vous en pensais quoi? De là à là. Et il y a ce gigantesque trou. Je ne sais pas trop. Oh, la montagne. La montagne. C'est magnifique. Regardez-moi ça, les gars. C'est trop stylé. Alors là, par contre, je ne sais pas trop comment je vais me diriger là-bas. Regardez. Je dois passer tout ça. Bon, c'est plutôt simple, mais c'est aussi compliqué, en fait. J'ai pas envie de casser un tuyau. Ça a l'air de tenir. Ok, c'est juste incroyable, je suis encore plus en hauteur. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Parce que c'est très simple, si j'aurais essayé de passer par là-bas, là, entre les deux murets, eh bien si je tombe, ben, je meurs, c'est très simple. Les amis, je pense que je vais redescendre. Je vais essayer de descendre en toute sécurité, prendre mon temps tranquillement, et pas faire le con. Profiter pour faire une petite série de traction. Le truc totalement inattendu à ne pas faire. Peut-être que la porte était ouverte par erreur, donc je vais mettre une petite pierre. Genre ça, tu vois. Je vais le mettre là. Ça devrait tenir. Allez, bloc, bloc. Ok, parfait. Bon, à présent, je vais réveiller les gars. Et c'est parti pour un gros tournage toute la journée du clip de Duc. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne YouTube parce que c'est là-bas que le clip va être posté tout simplement. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, Ducovis. Allez vous abonner, les gars, comme ça vous verrez le clip quand il sortira. Donc voilà, son lien dans la description. Et à présent, je vais les réveiller. Trop beau ici. Du coup, on s'est arrêté un peu pour manger de 1 et aussi profiter pour trouver une prise et charger le drone. Et après, direction la plage et on continue le tournage. Vraiment stylé ici quand même. Hein. En fait, c'est un hôtel mais qui fait aussi restaurant. Du coup, c'est pour ça que le décor est aussi stylé.
Gang gang. Gang gang. C'est stylé, hein. Vas-y, accélère un peu. Accélère, accélère, accélère. Wow, wow. Attends. Arrête, stop, arrête-moi. Mais c'est un malade. Moi, je me casse. Je me casse, mec. C'est incroyable, on a une vue de ouf. Belle journée, hein. Des fois j'allume la caméra, je sais que je dois faire un vlog, mais merde, des fois qu'est-ce qu'il n'y a rien à dire. Là ouais, je suis posé sur la plage, je prends mon temps, je regarde l'océan, mais à part ça j'ai rien d'autre à dire, quoi. Donc voilà quoi, petite scène de transition, il reste encore une journée, on tourne encore quelques scènes aujourd'hui et normalement vous allez avoir quelques plans en drone juste après cette scène là, des plans en drone qui s'annoncent plutôt stylés. Allez, c'est parti pour les plans en drone, let's go. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé les petits plans en drone. On vient de boucler les dernières scènes du clip. Donc on a fini, du coup demain, retour en France quoi. C'est vraiment un superbe endroit, c'est vraiment vraiment stylé. En plus il y a un petit coucher de soleil, je sais pas si vous voyez. Ouais, là vous voyez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois j'ai mis des petites scènes de mon Instagram. Je vous le mets dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Instagram. Comme je l'ai dit dans l'épisode du Saviez-vous que, c'est le seul réseau où je suis un minimum actif. En tout cas, si t'as suivi le vlog jusqu'à maintenant, gros merci à toi et grosse dédicace. Ah oui, et bien sûr, si t'as apprécié la vidéo, n'hésite vraiment pas à liker, c'est très important. C'est ce qui va m'aider à promouvoir la vidéo au grand public. Donc like, commente, essaie vraiment de participer un maximum. C'est vraiment cool de ta part. Merci beaucoup. Magnifico. Hey yo, what's up, it's your boy Duke Ovis. Ouais, 1, 2, 3, vive au Sénégal. T'as pas les couilles de te baigner là. Eh, hey, fais pas les couilles, moi. Non, attends, tu vas pas le faire. Oh, mais non. Ah, il a pas fait. Eh, ma parole, j'ai cru que t'allais le faire. Il va se baigner, les gars. Il va se baigner, ce narvalo. Il va se baigner. Oh. Vas-y, mec, continue. Eh, hey, en vrai, elle est bonne. Hey, continue. Oh, what the fuck. On va se baigner, c'est parti, go. Wow. On va affronter la mer. Ah, c'est froid. What? 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 Tu t'es pris une vague? Ça a dû te choquer.